Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online encore une fois pour vous faire part des informations. Donc il y a énormément d'informations qui sont actuellement en train de tomber via des réseaux sociaux, social club. Enfin bref, il y a vraiment énormément de nouveautés. Là je vais vous montrer une photo qui m'a été envoyée par un abonné. Donc il m'a envoyé aussi le lien d'où venait la photo. Et cette photo vient... tout simplement d'une source sûre, étant donné qu'elle vient directement du site Warstock, donc des sites de GTA Online, avec les sites Legendary des Los Santos Custom. Je vous mettrai les liens dans la description, il n'y a aucun souci. Donc là vous allez pouvoir apercevoir encore une fois la même vidéo que celle où je rentrais dans les hangars, mais vous allez voir que les images vont apparaître. Donc l'image que je vous présente, donc il y a écrit Warstock Cash and Carry. Donc je sais que cette image est parue il y a très longtemps. Moi mon abonné me l'a passé qu'aujourd'hui, mais l'image est apparue il y a très très longtemps. Je ne l'avais jamais vue, apparemment des abonnés sur Twitter et Facebook ne l'avaient jamais vue non plus, étant donné que je l'avais posté sur Facebook et Twitter. Mais sur ces images, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les véhicules qu'on a, donc le Jeep, le tank, le cargo bob, le buzzard, mais il y a trois véhicules qu'on ne connaît pas. Alors vous pouvez apercevoir en haut à côté du tank, donc un sorte de Hummer blindé, donc qui s'appelle le ATVS. Donc c'est vraiment un Hummer blindé, hein. On peut peut-être penser que ce Hummer viendra dans les futures mises à jour, mais ce qui est plus important, et c'est pour ça que j'ai mis la vidéo où je parle des hangars, où je rentre dans les hangars, tout simplement parce que sur l'image on peut apercevoir tout simplement un gros titan blanc. Donc il est vraiment gros et blanc, donc peut-être qu'il sera dans les hangars, dans les hangars dans lesquels je suis rentré. Et ce qui est plus important et ce qui est plus intéressant aussi, c'est le dernier hélicoptère qui se situe tout en bas à droite. Donc on peut voir un tout nouveau hélicoptère qui m'a l'air d'être très fameux. Vous pouvez déjà le voir à sa façon d'être. Tout le reste, il est vraiment... il m'a l'air d'être énorme. Donc on peut voir qu'il a déjà deux canons, si je puis me permettre de dire ça. Je pense pas que ça se dit comme ça. Mais bref, il a deux canons sur le côté. Je pense qu'il en a deux autres sur l'autre côté. Donc ça doit être un sorte de buzzard, mais amélioré, hein. Amélioré, hein, c'est un grand mot, mais c'est un buzzard beaucoup plus perfectionné. Donc on voit qu'il a vraiment de l'artillerie lourde, hein, sur l'hélicoptère, hein. On voit vraiment que sur la photo, même si c'est un peu gâché par le texte, qu'il y a vraiment du lourd. Donc c'est des images qui sont parues il y a très très longtemps, comme je vous l'ai dit. Donc on voit aussi l'image du cargo bob. On ne sait pas si ces véhicules vont arriver sur GTA Online ou seulement sur GTA 5 solo. En tout cas, il faut savoir que sur le solo, ils n'y sont pas non plus. Donc on peut peut-être s'attendre à ce genre de véhicule dans les futures mises à jour, ce qui renforce encore ma théorie et mon hypothèse des nouveaux avions qui vont venir avec les avions à réaction et les hangars dans la base militaire. Donc du coup voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, ces informations vous auront plu. Je remercie l'abonné de m'avoir envoyé des informations comme ça par mail. Je te remercie. Si jamais vous avez des informations à me faire passer, vous me les envoyez directement par mail. Il n'y a aucun problème si vous voulez des conseils ou si jamais vous avez des questions assez importantes sur vos chaînes YouTube. Si vous voulez des petits conseils, vous m'envoyez un mail. Je prendrai un petit temps pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Donc du coup je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit like et lâchez un petit commentaire pour donner vos opinions sur ces images et sur cette image. Moi je vous retrouve dans deux prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.